Salut les gamers, on est reparti pour la même mission, c'est la deuxième partie, j'ai pas retenu le nom, évidemment, ça c'est bien moi. Donc on avait quasiment percé la moitié du bouclier, mais on a mis en place une défense qui est déjà psychopathe. Hein. Tac, tac. Franchement, s'il perce une défense pareille... J'en reviendrai pas. J'ai franchement pas mal de tanks. J'ai même, je dirais, moi j'utiliserais le mot beaucoup de tanks. Ouh, il va être casé là aussi. Alors là, il y a des tourelles partout. En cas d'attaque aérienne, on sera opérationnel. Vu que mes champs de minerais s'épuisent, je vais devoir me déménager sur la prochaine. Et je vais préparer un commando de marine. Commandant, de nouvelles unités aériennes en approche. Il faut les descendre, sinon ils vont continuer à larguer des troupes en plein sur nous. Tac, 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 tac. Comment ça, mais attendez les mecs, ils envoient un porte-nef. Ah non, 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 mais ça je suis pas d'accord, moi j'ai pas signé pour me taper un porte-nef. Ok, de ce côté-là, c'est pas pareil, là. L'ordinateur, il m'envoie des porte-nefs. Non, mais on est... C'est pas possible. C'est pas équitable. Si tu m'envoies des porte-nefs, moi, je veux mes battlecruisers. Mes cuirassés, mais bon, on n'y est pas encore, là. C'est juste ouf, ça. L'ordinateur, il se fait pas chier. Il se tape avec des porte-nefs contre moi, à ce moment du jeu. C'est pas équitable. Ah là là, t'as l'ordinateur qui, comme d'hab, ne joue pas à égalité. Je suis là, si j'ai des trucs qui étaient le plus gros. Ah, si, il y a des archons qui arrivent là-haut. Si tu le dis qu'il est en train de détruire la barrière thermique, je te crois. Alors, j'ai un canon Protoss. Putain, franchement, je sais même pas si ça vaut le coup que je fasse ça. Ça se trouve, je perds seulement du temps. T'es un peu loin à le faire, mon Goliath, là. Tu peux pas me le finir, s'il te plaît? Pourquoi tu finis pas mon Goliath? Sans déconner, pourquoi tu le finis pas? J'ai pas compris là, pourquoi est-ce qu'il finit? Pourquoi est-ce qu'il a pas fini mon mec? Oui, oui, moi je veux bien, mais moi je le voulais mon mec. Tu vas me le sortir là ou pas? Sinon je veux des tanks encore. Alors j'en ai combien? J'ai un petit groupe de marines. Allez, je vais prendre un tank. Tac, tac. Allez, le temps où tu pars avec les marines, on va voir comment on peut accéder de l'autre côté. Parce que... Oups, putain. Il reste des archons, on s'en fout. Pan, 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 deux archons. Encore un, quatre. Alors, on va positionner le tank pour qu'il soit à portée de tir. Voilà, il est à portée de tir d'une tourelle. Punaise! J'ai des marines, c'est anti-aérien, j'arrive pas à tuer le truc, quoi. Ils sont costauds, les chasseurs Protoss. Repos, on rentre à la maison. Voilà quoi. Waouh, l'ordinateur c'est un psychopathe. Il a envoyé une Psionic Storm pour tuer un VCS. Hop. Tac. Oh là là, mais franchement c'est un psychopathe l'ordinateur. Bon par contre mon tank est mort, donc il m'en faut un nouveau.
Et je vais pas non plus mobiliser tous ceux de la défense. Ceux de la défense, ils vont rester en défense. Je pense que ça devrait... Est-ce que ça gère ou pas? Franchement, ça gère tellement que je vais laisser la foreuse s'amuser toute seule. Moi, je vais me concentrer... Ah, t'es coincé! Mince! Goliath, ça veut dire que les tanks vont commencer à revenir. Bon, là, il me faut du monde parce que je passe. Je vais pas passer la défense là-bas si j'ai pas de tank. Il m'en faut au moins un. Dès que j'ai un tank, j'y retourne. Ça devrait largement me suffire. Ouf, j'ai bientôt épuisé tout le. Ah, ouais, quand même, j'ai stocké pas mal de minéraux. Pas mal de minéraux, pff, pas mal de minerais. 35 000, ça veut dire qu'on est plutôt bon là. Une nouvelle vague d'unités aériennes se dirige droit vers vous. Ah, je vais prendre un deuxième tank. Vraiment pas laisser tomber. Rentrez-leur dans l'art, les gars. Pan sur celui-là. Pan sur celui-là. Pan. Hey, ils ont quand même percé 3 tourelles. Ah ouais, ils ont fait du dégât, ils ont bien percé mes tours. On va tenter le coup. Allez, l'armée là-bas, je préfère la battre comme ça, parce que je vais temporairement mobiliser une armée et j'ai pas envie de me faire attaquer dans le dos. Donc, 2 Goliath, 3 tanks. Allez, normalement, là, s'il n'y a pas ce qu'il faut pour percer, il n'y aura jamais ce qu'il faut. En plus, j'ai épuisé mes ressources, donc il va falloir que je m'installe ici. Voilà, allez. Oh putain! Ok. Donc on va réquisitionner le laser pour buter ça. Les tanks, on va les faire avancer. Vous vous mettez là. Et vous deux, vous vous mettez là-haut. Et le laser, on va essayer de... d'intervenir un petit peu là, parce que ça fait un moment que je tue personne. Et ça se sent. Donc, on a chopé une technologie Protoss. On va essayer d'approcher le deuxième. Et il y a une protection ou pas? Non, il n'y a pas de protection. Ça veut dire qu'on va attendre là tranquillement. On se met en siège. Et on va envoyer le laser. Vas-y, copain laser. Allez. Donc, il me reste 30 000 points pour atteindre le prochain. Ok, penche sur celui-là et penche sur celui-là. Donc vous prenez ça et on se casse de l'autre côté. Alors ça veut dire que vous allez devoir me refaire des tourelles parce qu'on s'est fait raser en beauté. Voilà. Vous aussi, il va falloir refaire de la tourelle. Parce qu'on s'est fait raser, mais en beauté aussi. Oh putain, c'est quoi cette troubille? Sois un peu moins agressif, mec. Voilà, normalement il y a suffisamment de dégâts dessus. Tous les marines, vous vous mettez là. C'est bien par là. Ah ouais, en plus c'est pile devant la base Protoss, quoi. Ah ouais, là franchement je suis mal barré parce qu'il faut que je... Il va falloir que je traverse l'armée. Et j'ai pas envie de pas traverser l'armée Protoss. Allez, on se regroupe.
Ok, ça veut dire qu'on va se positionner comme ça. Et on doit attendre une attaque. Oh putain, mes marines. Aïe aïe aïe. Oh le carnage, c'est moi qui me suis fait détruire. Je me suis fait assassiner quoi. C'est bien ce que je m'attendais. Je m'attendais pas à quelque chose de facile. Parce que là je vais profiter d'avoir peut-être quelques secondes pour rusher. Ça veut dire qu'il faut que j'envoie un bâtiment pour donner la vue. Vas-y ma caserne, tente. Toi, on va essayer de t'installer là-bas. Toi du coup, il faut que tu me perdes ceci, tu peux pas? Non. Allez, un. Feu, allez, bien, le dernier. Allez, rentre à la maison. Alors ici, oh putain. Tac, 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 tac. Tant que j'ai le plus gros, là, le colosse, archon, 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 archon. Attendez, il y a encore un. Alors toi, du coup, tu te poses. Siège. Vous réinstallez le siège. Allez, tank, allez, les tanks, on gère. Bon, ça va, les tourelles protègent. Vous me tapez ce bâtiment là et vous irez foncer, bah, vous foncez pour Ninja le quoi qu'on va, on va attendre l'attaque quand même. Allez, pan 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 pan. Allez, encore un, encore un, encore un colosse, encore un colosse. Ah, c'est énorme les colosses. Ok, archon suivant. Cassez-vous là, cassez-vous là, cassez-vous là, mec, cassez-vous. Ok, allez, foncez, foncez, foncez. Vous cassez de là. Vous allez collecter la thune là-bas maintenant. Ok, donc j'ai pris tout ce qu'il fallait piquer. J'ai plus qu'à assurer la protection. Je pense que j'ai suffisamment de tanks en siège là. Pour qu'ils réussissent à me percer, il va falloir un exploit. Il m'étonnerait que l'ordinateur soit capable de l'exploit de me percer maintenant. Donc 18 000 à tenir. Là je vais fermer en cas où il va arriver en masse. Ouais. Ouais, donc on va dire qu'il n'y a plus aucune difficulté à la mission. Tout a été fait. Pan, pan, et deux colosses, et les deux arcos. Mince, les trois arcos. Donc c'est niqué là-bas. Hop, hop, hop. Ils envoient une... Franchement, ils font des groupes d'armées de ouf. Non, tu me déposes ça. Et tu vas bosser. Oh, on s'est bien repéré. Putain, je me suis fait intercepter tous mes collecteurs. Ok, il est mort. J'ai perdu mon QG. Franchement, hein. Je me suis fait atomiser. Oh. Putain, j'ai réussi à devoir rendre les Templars en cible prioritaire parce qu'ils n'ont, je me fais défoncer. J'aurais jamais cru ça, quoi. Sincèrement, je m'en fous totalement d'améliorer ça. Fou. Franchement, j'ai plus rien à construire, donc j'en ai rien à secouer aussi. Pan. Pan, essaye ça. Oups, restez caché. C'est bon. Allez, tanks. Allez, voilà, c'est bon. Les tanks, c'est efficace, heureusement. Allez, 14 000, encore 14 000. C'est certainement la dernière porte, on espère.
on tient le bon et ça passera tout seul. Allez, on tient bon, on tient bon. Et je vais tenter de me réinstaller là-bas. Quoique, franchement, allez, je vais pas le faire. Et je vais te garder en réserve et je vais tenter une collecte de loin. Ça me fera un peu de revenus. Encore 10 000. Il faut que je compte en combien... non, j'ai pas le temps de compter, là. Bon. Lui, 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 lui. Ensuite, Colosse, Archon, Archon, Archon. Tac et tac. Putain, mais... Voilà, allez-y maintenant. Évidemment, à peine je l'ai ciblé que le mec il a voulu s'exciter et qu'il m'attaquait. Elle est quand même pas mal cette mission, elle dure un sacré moment. Oh, le colosse, il a fait mal. Le colosse a tiré un coup, il a buté tous mes CV. Tous les CV qui sont derrière pour assurer la protection, un coup, pas de problème. Il a buté, il a tout buté, il a fait... Ah, t'as des CV de caché, pas de soucis. F3. 1, 2, 3. Tu vois ça. Allez, un colosse. Encore un colosse. Plus qu'un colosse. Les immortels, je les ai pas ciblés, mais c'est passé. Là, j'ai ciblé l'archon. Allez, avec 9000. 9000. Je sais. Allez, ça se passe tout seul, les mecs, franchement. Encore 8000 à faire. Ça passe tout seul, 8000. J'ai pompé toutes mes ressources. Je devrais installer une base là. Mais vu comment je suis installé, on va se la jouer détendue. Je vais pas tenter d'installer une défense là-bas pour avoir des ressources en plus. J'ai largement assez de ressources. Avec les quelques que j'ai en stock. Normalement, pour être tranquille, allez, plus que 5500. J'ai fait tous les j'ai fait l'objectif bonus. Plus que 4000 et quelques. Ouais, là, c'est Finger in the Noise. Je vais même pas changer de laser. Vas-y, le laser va au bout. Si l'ordinateur tente une attaque. C'est impossible. Quoi qu'il envoie, il pourra pas passer cette ligne. Il est de notre devoir sacré d'arrêter ces profanateurs. Voilà, normalement, j'ai largement assez de tanks pour gérer toute l'attaque. Voilà, les archons sont déjà repoussés. Non, dégage de là. Oh putain. Par contre, les... Ah quand même. Ah quand même, il est hyper fort en fait. Je pensais pas qu'ils auraient perforé autant. Vous l'emportez. Pour l'instant, la nouvelle de ce sacrilège se répandra à travers les étoiles, James Raynor. Le jour du jugement approche. Tes artefacts ont l'air très populaires, Ticus. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, tant que la paye est bonne. Vraiment. Se faire éclater par les Tal'Darim, moi j'aurais pas compté ça dans la colonne profit. J'avoue que se faire qu'un ennemi juré d'une puissance extraterrestre comme celle-ci, c'est pas quelque chose de génial. Allez, continuez. Et je veux une belle scène vidéo. Ouh, sympa le dessin là, franchement trop la classe. Le cuirassé dans un monde tout rouge, c'est juste beau.
percé le voile de l'avenir, et je n'ai contemplé que le néant. Mais il reste une étincelle d'espoir. Tu tiendras sa vie entre tes mains. Et même si la justice exige qu'elle meure pour ses crimes, elle seule peut nous sauver. Attends une seconde. T'es en train de parler de Kerrigan. Ça fait 4 ans. Tu sors de nulle part. Le temps est compté. Tu dois comprendre. Les réponses à tes questions sont à l'intérieur. Étudie-le attentivement. Le destin de toute la création en dépend. Moi aussi, je suis content de te revoir. Coucou, Zeratul. J'ai déjà entendu parler de ces cristaux et Anne. Ils sont censés permettre de revivre les souvenirs de quelqu'un d'autre. Quoi qu'ait découvert Zeratul, il voulait désespérément que je le voie aussi. Bon, ça coûte rien d'essayer. Ok, et ben on arrête ici l'épisode. Du coup, on se retrouvera dans l'épisode suivant avec encore énormément de choses à faire. De toute façon, à chaque épisode, on a énormément de choses à faire. Donc, merci de m'avoir suivi et ciao! Thank you.